Jaarlijks worden heel wat kilometers gereden bij Sejelec. Vele firmawagens doorkruisen continu het land. Veiligheid is altijd al belangrijk geweest bij ons. Het relatief hoge aantal ongevallen geeft aan dat ook verkeersveiligheid onze en uw extra aandacht verdient. We zijn tenslotte bijna allemaal chauffeurs. Mon nom est Jean-Luc Vatmalder. Je travaille comme technicien maintenant chez Sejelec depuis de nombreuses années. Combien de kilomètres faites-vous par an? Je dirais ça varie entre 35 et 40 000 kilomètres par an. Je touche du bois, ça fait de nombreuses années que je n'ai pas eu d'accident. J'ai eu un accident dans ma carrière, donc ce qui est très peu sur une carrière d'automobiliste de plus de 40 ans. Pour les campagnes de sécurité sur nos chantiers, nous avons un objectif de zéro accident de travail. Et que je crois que pour les accidents de la route et pour la sécurité, il faut se fixer le même genre d'objectif ambitieux et avoir un objectif zéro. Wat voor chauffeur bent u? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik een normaal chauffeur ben. Nee, ik rijd niet te hard, ik rijd niet te traag. Mon nom est Magali Deneyer, je suis fleet manager chez Sejelec. J'ai 42 ans et je travaille pour Sejelec depuis 5 ans et demi, plus ou moins. Combien de kilomètres faites-vous par an? Je parcours 20 000 kilomètres par an. Tu téléphones sans doute pour ta nouvelle voiture. Le temps de préparer les papiers et elle est à ta disposition une heure plus tard, donc vers 11 heures. Est-ce que vous voyez, vous personnellement, toutes les voitures qui sortent de Sejelec? Tout à fait. Sejelec a une flotte actuelle de 770 véhicules. Combien de dossiers sinistres voyez-vous par an? En moyenne, nous comptons 400 dossiers sinistres par an. Si nous faisons ça par jour, nous en avons plus ou moins deux. Donc deux dossiers sinistres à gérer par jour. Ik ben Bart Teuns, sinds 4 maanden werkzaam bij Sejelec als projectleider. Ik gebruik de wagen voornamelijk voor woon-werkverkeer en natuurlijk ook om naar klanten te rijden. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat ik zo'n 50.000 kilometer op jaarbasis doe en een drietal uur per dag in de wagen zit. Het grootste deel van mijn tijd die ik in de wagen doorbreng is woon-werkverkeer, dus zit ik het vaakst in de file. Ik denk dat ik bijna kan stellen dat ik dagelijks gevaarlijke situaties tegenkom. Bijvoorbeeld mensen die denken van enkele seconden te winnen in de file door gevaarlijke manoeuvres uit te voeren. Het is weinig zinvol om in de file een ander rijgedrag toe te passen dan gewoon mee te gaan met de stroom. Dans les dossiers sinistres que nous recevons, ce que nous voyons le plus souvent, ce sont des accidents conducteurs qui tout simplement n'ont pas gardé leur distance par rapport au véhicule qui précédait. Le véhicule qui précède freine brusquement, les distances ne sont pas respectées, notre conducteur a tout simplement heurté le véhicule qui le précédait. Ça, nous avons beaucoup comme type d'accident. La pression du temps, est-ce que cela change votre comportement au volant? Non, ça ne change absolument pas mon comportement au volant, dans le sens où le respect des règles de conduite et des règles de sécurité quant à la conduite sur la route sont quelque chose de primordial. Ik denk dat er geen enkel reden is of geen enkel afspraak, hoe belangrijk dat die ook is, kan of zou aanleiding kunnen geven tot risico's nemen voor de veiligheid van de persoon zelf. Malheureusement, ça nous est déjà arrivé que des gens sur la route, des particuliers ou autres, soient confrontés à des situations dangereuses. De la part de nos conducteurs.
Il faut que les conducteurs des véhicules de société, principalement sur lesquels figure le logo de notre société, soient conscients du fait que non seulement leur attitude dans le trafic est dangereuse pour eux, mais nuit également à l'image de la société, parce qu'ils sont les ambassadeurs de la société avec ce véhicule-là. Cela nuit à tout le monde. Ik ben mij niet altijd bewust dat het een bedrijfswagen is, want je bent er zoveel mee onderweg, zoveel op de baan, dat het bijna je eigen wagen begint te lijken. En dat springt maar af en toe uw geest in dat het een bedrijfswagen is en niet de uwe. Dus je hebt hier de net, ja. En dan ondergaan staat het reservewiel. Segelec est son propre assureur depuis avril 2004, ce qui veut dire que Segelec prend en charge la totalité des frais relatifs aux accidents. Cette somme est très importante et les conducteurs doivent le savoir. Nous faisons, via notre responsable de sécurité, pas mal de campagnes de sensibilisation. Nous équipons nos voitures d'équipements de sécurité, donc on parle de airbag ABS. Nous utilisons maintenant des GSM Bluetooth avec oreillettes sans fil. Met Bart, als ik telefoneer in de wagen, dan is het handenvrij. En het telefoneren probeer ik tot een minimum te beperken, omdat je toch altijd afgeleid bent. Ik zit nu in de wagen, maar ik ben dadelijk op kantoor, dan zal ik je terugbellen. Dat is goed. Oké. Als ik getelefoneerd word in de wagen, wat ik natuurlijk in de eerste plaats probeer te vermijden, maar als het toch gebeurt, dan gebeurt het wel eens dat ik minder bewust ben van de verkeerssituatie. En een mooi voorbeeld daarvan is dat ik wel eens een afrit mis als ik aan het telefoneren ben. Qui est important aussi de dire que nous essayons en permanence dans le choix de nos véhicules et dans l'évolution de notre flotte de véhicules, nous essayons d'améliorer le type de véhicule en suivant les évolutions du marché de manière à procurer un confort plus important et une sécurité plus grande pour nos travailleurs. Ik denk algemeen gezien dat veiligheid is voor veel mensen een ver van mijn bedshow. Van het zal mij niet overkomen. Op een vorig werk heb ik bijvoorbeeld een collega gehad die in het woon-werkverkeer een ongeval heeft gehad. En die is daardoor verlamd geraakt van zijn middel af. Dus het kan heel concreet worden. En ik denk dat we ons bewust moeten worden van het feit dat het ons allemaal kan overkomen en dat niemand wil eindigen in het ziekenhuis of in een rolstoel of nog veel erger. On peut sensibiliser tant qu'on veut. Le plus important pour moi, c'est la vie. C'est le collègue, c'est les amis, c'est les personnes qui peuvent être impliquées physiquement ou moralement dans le cadre d'un accident. Et donc, pour moi, la prévention que met en place Segelec est importante.